En suivant la piste de Vaudin, l'alchimiste qui doit ausculter Hugo, Amicia et Lucas ont découvert que la reine de la ville rouge abritait un quartier pauvre, dont les habitants furent placés en quarantaine, puis décimés par la morsure. Le duo y a affronté des mercenaires, mais aussi les rats, jaillis des profondeurs par milliers pour semer le chaos. Lorsqu'ils rencontrent enfin Vaudin, il annonce à Amicia qu'elle est une protectrice, titre donné par l'ordre à sa fonction auprès du porteur de la Macula. Il est temps pour eux de retrouver Hugo. Lucas, viens, dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier. Que se passe-t-il? Il n'a pas bien réagi. Il fait une crise. Quoi? Mère, vous devez arrêter ça. On ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul. Je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Suivre Lucas jusqu'au quartier des bouchers. C'est sombre, hein, il pleut. La situation est de pire en pire. Je sais que tu es inquiète, mais laisse un peu de temps au magistère Vaudin. Du temps? Du temps pour quoi? Pour faire souffrir Hugo encore plus? Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça! Il traite mon frère comme un animal! Non. Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia? Continue de veiller sur lui pour moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Bon, c'est bien, c'est qui m'attend pendant que je fouille un peu. Je vois pas de coffre, rien à ramasser pour l'instant. Ah, des gardes. Il y a de quoi se planquer. Ils nous disent rien. Ils sont tous partis. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Aucune idée. Il y avait cette odeur. Espérons que ça se règle vite. Je crois pas. Bien, notre porte devrait être par ici. Oh, sans peste. Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Je la vois. Elle va être fermée. Y a rien. Bon, tu es prête? Non. Allons-y.
Ah, il y a plus de monde par ici. De la viande pourrie. Oui, c'est le quartier des bouchers. C'est le plus court pour aller chez l'herboriste. Par ici, bonnes gens. Elle est belle, ma volaille. Elle est belle. Porc du porc. À rôtir, à bouillir. Le plus savoureux du monde. Ça m'est la bouche, c'est vrai. Si vous n'avez jamais mangé de bœuf, vous ratez quelque chose. Voilà les portes de la ville. Nous n'y sommes pas encore. Et l'état d'Hugo pourrait empirer à chaque seconde. Vite! Ça va bien se passer. Eh, hey, j'ai bien fait de fouiller un peu. Allez, passe devant parce qu'il faut que je te suive. Ah non. Les poules. On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-nous passer. Que se passe-t-il ? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Carl, ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe. Par où ? Les enfants sont à l'intérieur. On sait bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous nous cachez ? Des gens sont morts. Et où voulez-vous qu'on aille ? Hé, il y a une ruelle par là. T'en penses quoi ? Tu vois un moyen d'entrer ? Attends. Je pense. Oui. Ah bah c'est lui qui me trouve les chemins, c'est impeccable. Par ici, Amicia. Ça a l'air sûr. On est chez quelqu'un ? On ne fait que passer. Que passer, mais bon. Je rêve. Les déchets des boucheries. Oh, super. Comment passer par là ? Bah, je crois qu'on n'a pas le choix. N'y pense pas. Retiens ta respiration. Ah, dans quoi on va là ? Non. Ah bah, tombe pas la tête dedans. Mais dis pas. Si, j'en ai eu dans la bouche. Ah. Je t'ai dit de pas respirer. J'ai paniqué. Oh, Lucas! Toutes les choses qui doivent proliférer là-dedans. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement une transformation de la matière. Ouais. Oh, Seigneur! Ça va mieux par là? Mes bottes sont fichues! Ouais, c'est quoi ça? Comme la reine. Un tout pot. Cet endroit n'est qu'un appât. Je sais plus comment on faisait. Ah là, je peux rien faire. Ah, je suis sur pierre. Ok. Ah, je peux pas passer là ? Oh, un coffre. Oh, deux coffres. Pot, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais plus comment on fabrique. Fabrication. Il y avait plus simple pour fabriquer. Il y a une charrette qui bloque. On va la pousser. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord.
Oula. Les rats. C'est tout ce qui compte. Oui, oui. Alors, il faut aller où ? Des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. C'est comme à l'arène. Je vois pas par où aller. Pas par là, il y en a énormément. Ah si, là-bas, il y a un truc. Les brasiers sont trop faibles pour qu'on puisse traverser. Et donc ? Allez, passe vite. La viande les a attirés. Non. C'est pas ce que j'ai fait. Mais c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Ah, ils bougent ! Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça ? Oui. Quelle carcasse ? Et où est-ce qu'ils voient une carcasse ? Ah oui, là-bas. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Ce sac, c'est le même que ceux de la charrette. Essaie de l'atteindre avec ta fronde. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon à savoir. C'est encore du salpêtre, non ? Oui, il y en a plein. Et on va peut-être pas attendre que... je vais où ? Ah, faut peut-être que je le pousse, on peut pas pousser ça ? Ah bah vas-y, prends-le. Voilà. Si les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Seigneur, c'est infesté. Paul, il faut partir. Attends, la lumière. Les habitants. Sans doute. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas là. Attends, j'en prends un peu. C'est vraiment très utile. Si je faisais l'inverse. Tu peux y aller. Je m'en occupe. Recule. Le feu maintenant. Oui. Bon. Ah, là-bas. C'est bon. On continue. Oui, beau travail. Et là, je passe tranquille. Allez, montons. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos.
Il est hors de la ville, non? Il est peut-être épargné. Oh, un coffre. Un pot, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Un couteau. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Oh non, un soldat. Hé hey, qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non. Vous devriez être mort. Il va la lancer. Amicia. Bah. Mais pourquoi il veut pas? Ah, je suis pas sur le bon truc. Je peux pas lancer. Ah oui, non, mais je lâchais pas le bon truc. Ça y est, j'ai retrouvé les boutons. Oui, bah c'est pas grave. Fallait que je m'y remette. Efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter s'il nous voit. C'est eux ou nous maintenant. Hugo a besoin de cette Belladone et vite. Tu as sûrement raison. Eh ben enfin. Tu peux utiliser ce salpêtre contre eux. Certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Extinguis, d'accord. C'est fait. Maintenant lance-le sur la torche pour. Déjà fait par le passé, mais... Et donc, nous, on passe tranquillement à côté ? Choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Non, non, on le laisse tranquille. Restez là, gentiment. Laisse-toi. Merde. Pas question d'ouvrir ces portes. Je sais ce qu'il y a derrière. Laissez-nous sortir. Les rats arrivent. Fais pareil. C'est votre problème. Si vous sortez, on vous tue. Vous là. Ne l'ont pas volé. Pas le temps de s'apitoyer. Ouais, ouais, pas le temps. Il y a de la lumière là. J'ai de quoi me cacher. D'une croix les maisons visitées. Il faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivent. C'est complètement stupide. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a des... Oh, un coffre. Alors, je peux prendre. Par contre, je vais où? Là, je passe pas. Est-ce que je lui dégommerai pas sa lampe aussi, lui?
Parce que là, il a celle qui tient plus celle d'à côté. Non, pas le bâton. Il n'en reste que deux. Non, tu me vois pas, je suis caché. J'ai cru entendre un bruit. Mais non. Pourquoi je peux pas te taper ça? J'en ai plus? Si. J'ai lâché le bâton, il est où? Faut que j'aille en chercher un autre. Alors, il y a de la lumière en haut, donc on va aller là-haut. Alors on va où? Là il y a un truc pour allumer. Je peux aller en face. Il y a un truc qui brille. Gros coffre. Un outil. Je pourrais améliorer mon équipement avec un établi. Oui. Des soldats. Ils sont où les soldats? Là-bas. Ah, il y a un gros coffre là-haut aussi. Ah ok. Les rafleurs sont déjà passés. Ils ont peut-être oublié des trucs. Tu rêves mon gars. Mais là je sais pas si je suis bien par rapport à eux. On a déjà perdu assez de temps à cause d'eux. Viens. Ils ont fermé la herse. Il doit bien y avoir un moyen de le rouvrir. Et comment je vais là-haut, moi? Je peux pas monter, là? Là, c'est fermé. Ah, il va falloir aller là-haut. Ok, allez, je monte. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Ah, c'est pas...